Francis Maheu est propriétaire d'une usine d'huile essentielle à Sainte-Félicité-de-l'Île-Lait. Plusieurs propriétaires de terrains forestiers dans la région lui apportent la matière première indispensable à la fabrication de ses huiles. Suivez-nous pour en connaître davantage sur sa production et les particularités de l'huile essentielle. Moi, je demeure à Saint-Audilon, en Beauce. Puis, j'ai vu que l'usine était là et qu'il ne fonctionnait pas. Fait que moi, j'ai reparti l'activité qui est un bon revenu d'appoint pour les producteurs forestiers. C'est eux qui me fournissent toute la belle matière que je produis, surtout du sapin et de l'épinette noire. Tout ce qui est conifère, le cèdre, le pin et la pruche, mais principalement le sapin. Les huiles essentielles, c'est un marché n'est pas nécessairement en développement au Québec. Ça fait des années qu'on parle des huiles essentielles. Les bienfaits des huiles essentielles sont assez bien reconnus. Je dirais qu'au Québec, si on veut entendre parler des huiles essentielles, il faut se tourner un petit peu plus vers les médecines alternatives là, pour aller chercher les connaissances nécessaires pour les traitements. Le défi derrière les huiles essentielles, c'est qu'on a accès à des produits qui sont extrêmement concentrés. L'avantage, c'est qu'on a des bienfaits rapides, mais le désavantage, c'est qu'on peut avoir des effets néfastes sur la santé. Prenons par exemple, certaines huiles sont tellement concentrées qu'on peut facilement, si on les consomme, on peut avoir un ACV ou on peut avoir des brûlures sur la peau. Donc, c'est à faire attention. Si on veut développer des huiles essentielles et les vendre, et on se trouve à un marché qui est très réglementé, alors Santé Canada réglemente énormément là, au niveau de l'étiquetage, au niveau de la composition, là, principalement pour s'assurer que les composés qu'on a sont les bons et sont de qualité pure. Moi, je suis mécanicien industriel de métier et j'ai mes cartes de haute pression en mécanicien de machine fixe pour les chaudières à vapeur. Fait que c'est sûr, ça me donne une bonne base en distillation. Moi, je viens de Saint-Audilon. Mon père a une usine d'huile essentielle aussi en Beauce. Fait que j'ai grandi dans ça, dans les huiles essentielles. Si on veut se spécialiser dans la distillerie des huiles essentielles, une spécialité, c'est vraiment soit un DEC ou un baccalauréat en chimie. Alors, c'est vraiment le chimiste qui devient le plus outillé, je dirais, pour mettre en application des méthodes de distillation et de purification des huiles essentielles. Plusieurs autres programmes scolaires peuvent le faire tant qu'on a une bonne base, là, dans les rudiments scientifiques, là, les bases du laboratoire. Sinon, si on veut faire des huiles essentielles à la maison, rien n'empêche, c'est seulement qu'on ne pourra pas nécessairement les vendre là, sur le marché parce que ça prend quand même plusieurs connaissances au niveau de la réglementation puis plusieurs analyses là, de qualité. Les étapes de production commencent quand les producteurs forestiers arrivent avec leur remorque chargée de petites branches fraîches. On les pèse avec une balance de camion. Après ça, sont rémunérés selon le nombre de livres de branches, tout dépendant de la sorte de branche aussi. C'est de l'épinette noire, du sapin. Après ça, on fait le chipage, c'est ça. On fait le broyage, puis il faut remplir notre réservoir de distillation. On met quand même beaucoup, beaucoup de livres de branches dans notre réservoir. C'est ça. Nous, on est deux pour faire ça. Et mon collègue sur la chargeuse, moi à l'intérieur pour vérifier, ouais, si tout va bien. La fabrication des huiles essentielles se fait avec la distillation. Ici, on a un montage de distillation fractionné. C'est un montage typique de chimie.
C'est à peu près comme ça là, qu'on va le fabriquer dans les laboratoires, mais aussi dans les usines. Alors, c'est un processus d'entraînement des matières aromatiques et des composés fonctionnels par la vapeur. Alors ici, on a un brûleur au gaz qui va venir réchauffer ici une macération de plantes qui est dans l'eau. Alors, les plantes vont baigner dans l'eau. On va venir réchauffer le ballon ici. Et l'ébullition va faire en sorte qu'il va y avoir des petites particules de vapeur qui vont monter dans le tube qu'on a ici. En haut, tout complètement, on a un thermomètre qui sert à connaître la température d'ébullition. Alors, on va venir séparer les composantes par le différentiel de température d'ébullition. Alors, ces molécules-là qui vont se vaporiser vont monter naturellement vers le haut et ils vont venir se redevenir liquide ici dans le serpentin qu'on appelle un réfrigérant. Alors, ce tube-ci va être rempli d'eau froide qui provient du robinet. Alors, les petites particules vont passer au centre dans une gaine. Ils vont se condenser, vont redevenir liquides à cause du milieu plus froid et ils vont s'égoutter tranquillement ici dans le récipient. Oui, il va y avoir des molécules d'eau qui vont se recondenser. Il va aussi y avoir des molécules aromatiques, des molécules fonctionnelles. Mais comme l'huile est plus légère que l'eau, elle va, par différentiel de densité, remonter sur l'eau. Alors, dans l'Erlenmeyer Mayer que j'ai ici, il va y avoir deux couches. Donc, la première, dans le haut, ça va être les huiles essentielles pures. Et dans le bas, il va y avoir l'eau d'évaporation qui va s'être recondensée. Alors, je vais tout simplement pouvoir venir les séparer là, de manière physique. C'est un alambic à vapeur. On injecte la vapeur et l'huile va sortir en vapeur. Ensuite, refroidie dans un serpentin à l'eau froide pour redevenir liquide, à l'état liquide. Puis ici, bien là, je sépare l'huile. C'est un essentiel qui sépare l'huile de l'eau. Et ça peut donner ça ici, comme ça. L'explication d'un essentiel, c'est que l'eau de la condensation et l'huile essentielle se retrouvent ensemble suite au procédé de distillation. C'est la différence de densité entre les deux liquides qui permet de séparer facilement l'huile essentielle et l'eau de condensation. L'eau se retrouve au fond et l'huile essentielle s'élève par débordement avant d'être récupérée. C'est une huile qui est entièrement claire et non collante. Après ça, je la pèse. Je la pèse dans mon registre de production. Je la pèse puis je mets ça dans mon baril. Alors, ce qui va rester du côté du déchet, finalement, c'est les protéines, les matières grasses, les résines, vitamines, minéraux. Tout ce qu'on a de l'autre côté, ce sont que des molécules biochimiques qui ont été recondensées une fois qu'ils ont été mis en vapeur. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas, une huile qui est nécessairement collante. Alors, on a une huile qui est très limpide, qui est très claire, comparativement à une huile qu'on peut consommer, une huile de tournesol, dont on a principalement des matières grasses à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a absolument rien dans les huiles essentielles que des molécules biochimiques fonctionnelles. Moi, je suis un producteur en grande quantité. Mon huile est exportée à au moins 90 % dans tous les pays du monde, avec un exportateur qu'on marche conjointement. Oui, ma formation, bien, c'est sûr, je l'ai appris avec mon père depuis mon très jeune âge que j'ai travaillé avec mon père. Ce qui m'a permis c'est une facilité pour moi d'avoir développé l'usine à Sainte-Félicité. Oui, toutes mes huiles vendues sont échantillonnées et testées en laboratoire avec des analyses chromatographiques pour voir la pureté de l'huile et les ingrédients et la qualité.
Dans le fond, l'analyse chromatographique, c'est une méthode chimique de séparation des constituants d'un mélange. Alors, dans un mélange, on a plusieurs ingrédients. Et quand je vais procéder à la chromatographie, je vais être en mesure de séparer un à la suite des autres les différents ingrédients qui composent, par exemple, l'huile essentielle. Alors, quand on veut tester la pureté d'un produit aussi concentré, on va utiliser l'analyse chromatographique pour venir doser et identifier les composés présents naturellement ainsi que les impuretés qui pourraient nuire à la qualité du produit. Les branches, c'est très important. C'est la matière première. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres essences à mélanger. Il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés dans les branches non plus. La qualité des branches est très importante. C'est sûr que ça s'est coupé une belle grosseur parce que moi, ma force ici, c'est fait d'huile d'aiguille. Les huiles essentielles sont utilisées en grande majorité pour les grandes parfumeries, les produits pharmaceutiques pour le super bienfait, puis dans l'agroalimentaire aussi un petit peu. Elles ont des propriétés antibactériennes, fongicides, des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés calmantes. Tout dépendant de l'huile, tout dépendant de la plante, on va avoir des propriétés qui sont différentes. Il faut quand même faire attention, comme on disait, c'est un produit qui est très concentré. Alors, souvent, il faut y aller en très petite quantité. Il y a des huiles essentielles qui peuvent se mettre facilement sur la peau, dans le bain, d'autres qui vont brûler les muqueuses, qui vont brûler la peau, donc il faut la diluer. Aussi, on ne peut pas l'utiliser, les femmes enceintes, par exemple, ou les bébés, il faut faire attention parce qu'ils peuvent être plus fragiles à certaines huiles. Certaines huiles vont être contre-indiquées parce qu'on prend un autre type de médicament. Alors, il faut faire quand même assez attention. Plusieurs types d'huiles essentielles pourraient être utilisées dans la fabrication de d'autres produits alimentaires sous forme d'arômes naturels, par exemple. Mais encore une fois, il faut faire un peu de recherche là, pour être sûr là, qu'on a le droit, de un, de pouvoir l'intégrer à notre aliment et de deux, dans quelle concentration. Ici, j'ai des petites bouteilles pour les chasseurs, pour les caches-odeurs, dans le fond. L'épinette noire, le sapin. L'huile de cèdre pour la chasse, chasser aux différents endroits. Les gens peuvent l'utiliser aussi pour l'odeur dans les maisons. Là. Ces petites bouteilles-là de 10 ml, c'est seulement pour les clients ici. Là, c'est pour mes clients à moi. Là, pour le... En général, mes produits sont vendus en vrac pour l'exportation. Mon huile est filtrée, empaquetée et c'est expédié de cette façon-là. Je trouve ça très intéressant de pouvoir faire des huiles essentielles avec ce qu'on a ici parce que la plupart des huiles essentielles qu'on peut produire proviennent des plantes ou des fleurs qu'on a naturellement autour de notre maison ou pas très loin. Alors, le fait d'utiliser ces plantes-là pour diversifier l'économie locale, je trouve ça très intéressant. Puis, ça met en valeur aussi nos ressources naturelles puis le savoir-faire aussi qu'on a, qu'on peut développer ici en région. Moi, je trouve que c'est une belle valorisation de prendre le temps de ramasser, de récupérer les branches, de cueillir les branches. Ça permet de fabriquer de l'huile. Aussi, ça fait un beau revenu d'appoint aussi pour les gens de la région. Il existe une différence importante entre les huiles essentielles et les huiles comestibles. La production d'huile essentielle implique des étapes précises. Et la participation des propriétaires forestiers est importante pour fournir la matière première.